Mesdames et Messieurs les journalistes, merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Son Excellence Monsieur le Premier ministre pour échanger avec lui, lui poser des questions sur les préoccupations des Ivoiriens. Mesdames et Messieurs, merci de votre intérêt pour l'action gouvernementale. Excellence Monsieur le Premier ministre, encore une fois, merci de votre disponibilité pour cette interaction avec les médias. Une fenêtre pour expliquer ce que vous et votre équipe qui vous entoure ce matin faites pour améliorer le quotidien des populations ivoiriennes, pour répondre aux préoccupations des Ivoiriens. Et aussi, au-delà des questions de l'heure, de l'immédiat, pour présenter les perspectives de développement et les ambitions de ce pays. Sur ce, Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai l'honneur de vous inviter pour vos propos liminaires. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, en particulier Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les membres des organisations professionnelles et de la société civile, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve tous à l'occasion de cette conférence de presse bilan. Dans le même esprit que les précédentes, il s'agit d'un moment d'information important au cours duquel nous aborderons les sujets suivants, à savoir l'évolution de la situation économique du pays, le programme social du gouvernement, et naturellement notre actualité politique et sociale. Et enfin, je répondrai donc à vos questions. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, la Côte d'Ivoire a enregistré de 2012 à 2018 un taux de croissance économique annuel moyen de 8,6% contre 0,8% de 2000 à 2010. Cette dynamique impulsée par des investissements et des réformes stratégiques a permis d'améliorer significativement les indicateurs socio-économiques. Ainsi, le PIB par habitant a augmenté de 33% de 2010 à 2017, passant de 560 300 francs CFA à 745 200 francs CFA. Le niveau des dépenses pro pauvre est quant à lui passé de 885,2 milliards de francs CFA en 2010 à 2290 milliards de francs CFA en 2018. Cela a permis d'inverser la tendance haussière de la pauvreté enregistrée de 1984 à 2011. En effet, sachez que le taux de pauvreté est passé de 10% en 1984 à 38,8% en 1998 et 48,6% en 2008 pour s'établir à 51% en 2011. Il a baissé à partir de 2012 pour ressortir à 46,3% en 2015 et devrait se situer en deçà de ce niveau donc en 2018. Des enquêtes sont en cours actuellement pour nous donner les chiffres de l'année 2018. Cette performance économique et sociale remarquable ne pouvait être imaginée à la sortie donc, de crise. En effet, à l'accession à la magistrature suprême de Son Excellence, M. Alassane Ouattara, en avril 2011, les défis étaient considérables. Restaurer la paix et la sécurité, renforcer la cohésion sociale et initier la réconciliation nationale, et enfin relancer urgemment notre économie. À ce titre, en 2012, le gouvernement a élaboré le Plan national de développement 2012-2015 avec pour objectif de doter notre pays d'infrastructures de base dans les secteurs du transport, de l'énergie, de l'approvisionnement en eau potable, de la santé, de l'éducation, etc.
Ce PND, d'un montant de 11 000 milliards de francs CFA, a intégré une forte dimension sociale. Ces efforts ont permis d'enregistrer des progrès notables en termes de restauration de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale et de la relance de l'outil de production. Par ailleurs, la bonne tenue des cours de nos principales matières premières au cours de cette période, café, cacao, anacarde, a permis de transférer des ressources importantes vers les populations en milieu rural. Les revenus du monde agricole sont passés de 3 368 milliards de francs CFA en 2012 à 5 653 milliards de francs CFA en 2015, soit une hausse de 68%. En outre, la hausse du SMIC, qui est passée de 36 000 francs CFA à 60 000 francs CFA en 2014, et le déblocage du salaire indiciaire des fonctionnaires et agents de l'État en 2015 ont contribué au renforcement du pouvoir d'achat des populations. Sur la base de ces acquis, le second PND d'un montant de 30 000 milliards de francs CFA, actuellement en cours d'exécution, vise à consolider la dynamique de croissance en la rendant encore plus inclusive. Ainsi, la mise en œuvre des deux PND permet de positionner et de maintenir notre pays dans une dynamique de forte croissance tout en garantissant un cadre macroéconomique de qualité et une forte attractivité des investisseurs, tant nationaux qu'internationaux. Ces performances économiques sont enviées par de nombreux pays. Le gouvernement est au travail. La Côte d'Ivoire avance. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes cependant conscients que cette année de croissance soutenue ne permet pas d'effacer le lourd passif social laissé par plusieurs années de crise. Les attentes des populations restent encore nombreuses. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, aussi, c'est à l'occasion de son adresse solennelle à la nation, le 31 décembre 2018, que le président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a donné des instructions fermes afin que les conditions de vie des populations soient encore plus impactées par les efforts de l'action gouvernementale. C'est à ce titre que le programme social du gouvernement a été adopté en Conseil des ministres dès les tout premiers jours de l'année 2019. Le programme social du gouvernement comprend la mise en place de 156 actions, dont 67 projets majeurs, 57 réformes et 32 mesures d'accompagnement de l'action sociale, dont 12 mesures phares qui ont d'ailleurs été présentées déjà par le chef de l'État. Et pour ces 12 actions phares, elles représentent un montant de 727,5 milliards de francs CFA. Ce programme aborde les problématiques sociales avec beaucoup d'ampleur et de pragmatisme afin de garantir des résultats immédiats et surtout durables. En fournissant aux populations des services de santé de proximité et en améliorant la protection sociale, en renforçant les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans, notamment les jeunes filles, en améliorant les conditions d'études et de vie des étudiants, en renforçant l'accès au logement, à l'eau potable, à l'énergie, au transport et aux biens de grande consommation, en permettant aux femmes et aux jeunes de notre pays d'avoir accès à des revenus ainsi qu'à un emploi décent et stable, en créant de meilleures conditions de vie des populations en milieu rural et en garantissant la sécurité alimentaire. Quels sont les niveaux d'intervention du programme social du gouvernement que nous appelons PSGOUV? Au niveau de la santé et de la protection sociale, le programme social du gouvernement prévoit notamment le renforcement de la gratuité ciblée, le renforcement du programme de vaccination,
l'opérationnalisation de la généralisation progressive de la couverture maladie universelle et enfin l'augmentation du nombre de bénéficiaires du projet de filo sociaux. En ce qui concerne la couverture maladie universelle, les prélèvements commenceront fin juillet 2019 de sorte à rendre les prestations effectives dès le 1er octobre 2019. À cet effet, le gouvernement a renforcé l'exécution de son programme de réhabilitation des centres de santé afin de rendre opérationnels 725 centres de santé au démarrage de la CMU. À ce jour, 1 800 000 bénéficiaires ont déjà été enrôlés, dont plus de 32 000 indigents. Pour ce qui concerne les filets sociaux, l'intensification et l'augmentation du nombre de bénéficiaires dans le cadre du programme social du gouvernement permettra de passer de 50 000 ménages en 2018 à 100 000 ménages en 2019 pour atteindre le nombre de 125 000 ménages en 2020, soit 750 000 personnes bénéficiaires directes sur l'ensemble du territoire, et ceci tant en zone rurale qu'en zone urbaine. Au niveau des conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans, le programme social du gouvernement renforcera les efforts en cours pour l'amélioration des conditions d'études et d'encadrement des élèves à travers le recrutement exceptionnel de 10 300 jeunes diplômés, dont 5 300 instituteurs adjoints, 3 000 professeurs de collège et 2 000 professeurs de lycée. D'ici fin 2020, ce sont les écoles du primaire et du secondaire qui bénéficieront de 500 000 tables bancs. Comme je vous le disais, nous sommes déterminés à améliorer les conditions de vie de tous, et notamment des jeunes. Au niveau de l'accès au logement, à l'énergie, à l'eau potable et aux biens de grande consommation, les efforts du gouvernement seront renforcés, notamment avec la baisse du tarif social de l'électricité de 20% du prix du kilowattheure, dont bénéficient déjà environ 850 000 familles à faible revenu, et ceci depuis janvier 2019. La poursuite du programme Électricité pour tous, qui permet le raccordement des populations au réseau électrique pour seulement 1 000 francs. Dans le cadre du programme social du gouvernement, ce raccordement sera pris en charge par le gouvernement pour 400 000 ménages. La réhabilitation de 23 000 pompes hydrauliques, dont plus de 17 000 en exploitation en milieu rural à travers tout le pays. Afin que les jeunes et les femmes de notre pays aient accès à des revenus plus décents et plus stables, le programme social du gouvernement prévoit le renforcement du programme d'autonomisation des femmes, le renforcement des missions de l'agence Emploi Jeunes. Ainsi, sachez que le gouvernement mettra tout en œuvre pour faciliter la recherche du premier emploi pour les jeunes diplômés à travers l'identification en ligne des jeunes diplômés en quête d'emploi sur le site internet de l'agence Emploi Jeunes. L'amélioration de la couverture territoriale des bureaux de l'agence Emploi Jeunes. Une meilleure orientation des jeunes diplômés vers les programmes de développement de compétences, l'emploi salarié ou l'entrepreneuriat pour la création donc d'entreprises. Notre jeunesse est le moteur de la création de la richesse nationale. Nous sommes fermement engagés à poursuivre nos efforts, à privilégier leur bien-être et promouvoir donc l'excellence. Par ailleurs, la modification récente du décret régissant la formation par apprentissage permettra aux jeunes non diplômés de se former au métier de leur choix et de rejoindre plus rapidement le monde du travail. Au niveau de l'accès au logement, le gouvernement achèvera en septembre prochain les travaux de construction de voiries et de raccordement au réseau d'électricité et d'eau
afin d'accélérer la mise à disposition des logements sociaux déjà construits aux différents acquéreurs. Le gouvernement veillera par ailleurs à l'application des dispositions de la loi sur le bail à usage d'habitation. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, nos défis restent nombreux à l'image des enjeux de notre pays. C'est pourquoi je devrais en appeler à la responsabilité de tous, car c'est ensemble que le développement de la Côte d'Ivoire et le bien-être des citoyens est possible. Il s'agit d'une mission commune que nous devons porter ensemble. Tous les acteurs de notre pays ont un rôle clé à jouer. Gouvernement, secteur privé, secteur public, société civile, partenaires au développement. À ce titre, je tiens à saluer les enseignants du primaire et du supérieur pour la reprise effective des cours à l'issue des négociations avec leur ministère de tutelle. Je voudrais encourager les derniers enseignants du secondaire à lever leur mot d'ordre de grève à l'issue de leur assemblée générale prévue le samedi 23 mars prochain, car il s'agit de l'avenir de nos enfants. Les discussions se poursuivront dans le nouveau cadre de négociations mis en place dans l'esprit de la trêve sociale signée en août 2017. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, la Côte d'Ivoire aborde un virage important de son développement économique et social. C'est ensemble que nous pourrons maintenir, voire renforcer, la dynamique créée depuis 2012. Au-delà des divergences politiques, il n'y a qu'une seule Côte d'Ivoire, notre patrie commune, qui reste indivisible. Le président de la République a donné une impulsion forte à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, particulièrement à travers les importantes décisions prises le 6 août 2018 concernant l'amnistie accordée aux prisonniers de la crise post-électorale. Par ailleurs, sachez que les consultations sont en cours avec l'ensemble des forces politiques et la société civile en vue de réexaminer la composition de la commission électorale indépendante conformément aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ceci afin de garantir le bon déroulement du processus électoral et ainsi consolider notre démocratie. Après les premières réunions qui se sont tenues en janvier 2019 et après réception des contributions des uns et des autres, nous reprendrons les discussions au cours de ce mois de mars. Les enjeux politiques ne doivent pas être un obstacle à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. La recomposition du paysage politique en cours ne doit pas inquiéter. C'est tout le sens du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, dont le congrès constitutif s'est tenu les 25 et 26 janvier avec un succès sans précédent. Le RHDP répond aux besoins de consolider la paix, la stabilité et la cohésion nationale dans la diversité, mais avec une convergence vers l'idéal de paix et de prospérité prôné par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Oufuette-Boigny. En tant que chef du gouvernement issu de cette grande formation politique, je me réjouis du renforcement de cette majorité au niveau des collectivités décentralisées, du Sénat et de l'Assemblée nationale, dont je voudrais féliciter le président Amadou Soumaoro pour sa brillante élection. Cette majorité renforcée facilitera la remontée des préoccupations des populations sur toute l'étendue du territoire, de sorte à rendre le développement économique et social de notre pays davantage inclusif. Pour terminer, je voudrais réaffirmer notre détermination à œuvrer pour la stabilité durable de la nation et notre engagement à améliorer le quotidien de tous nos compatriotes. C'est sur ces mots
que je voudrais clore mon propos et lancer nos échanges que je souhaite ouverts et fructueux. Je vous remercie pour votre aimable attention. J'ai deux questions relatives au Sénat. La première, c'est pourquoi avoir transféré les prérogatives du Sénat à l'Assemblée nationale? La seconde, une rumeur annonce le départ de M. Aoussou Jeannot de la présidence du Sénat parce qu'il n'est pas RHDP. Qu'en est-il réellement? En septembre dernier, vous avez promis aux planteurs de la SAFIC concernant le litige avec la TSI. TSI, c'est l'entreprise qui a été créée à l'issue de la privatisation de la SFPH dans Guédédou. Jusque-là, les planteurs n'ont pas encore reçu leurs dividendes. En septembre dernier, vous avez dit que leurs intérêts seront préservés. Où est-ce que vous en êtes avec ce dossier sur les logements sociaux? Jusqu'à présent, les 5,5% de taux d'intérêt aux souscripteurs, rien n'est encore appliqué. Qu'est-ce que vous en dites? Cette semaine, le journal de l'économie a fait un dossier sur la couverture maladie universelle. Les assureurs craignent que la part qui leur sera réservée désormais dans la couverture santé est minime. À côté de cela, beaucoup d'Ivoiriens ont posé des préalables importants pour la réussite de cet important projet. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ces Ivoiriens qui pensent que le projet de la couverture maladie universelle est une réelle utopie? Pourquoi est-ce que les prérogatives du Sénat ont été transmises à l'Assemblée nationale? Bon, comme vous le savez, la Constitution, donc la nouvelle Constitution de 2016, a prévu effectivement que nous ayons un Parlement qui soit bicaméral avec deux chambres. Et dans la même Constitution, il a été indiqué que tant que le Sénat ne sera pas mis donc, en place de manière donc, définitive, c'est une mesure donc, transitoire, les prérogatives donc, du Sénat seront dévolues à l'Assemblée, nous resterons toujours donc, avec donc, une chambre. Il se trouve qu'au niveau donc, du Sénat, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore donc, tous les organes du Sénat en place. Nous n'avons pas le bureau du Sénat qui est en place, nous n'avons pas les commissions donc, qui sont en place avec donc, les bureaux des commissions. Et tous ces éléments donc, sont nécessaires pour pouvoir faire fonctionner, je dirais, le Sénat en tant que chambre parlementaire. Alors, pour ne pas bloquer, il avait déjà été prévu donc, dans la Constitution qu'en attendant la mise en place définitive du Sénat, que l'Assemblée nationale donc, continuerait donc, à exercer donc, la plénitude des fonctions donc, parlementaires. Et c'est cet article de la Constitution qui a simplement été donc, mis en œuvre. Donc c'est quelque chose qui était prévu donc, dans la Constitution. Et nous espérons qu'assez rapidement, pour je dirais, la session donc, d'avril, qui va s'ouvrir donc, cette année, que toutes les conditions donc, seront réunies pour que le Sénat puisse être fonctionnel et puisse donc, prendre sa place au plan donc, des institutions de la République. Personnellement, moi, je n'ai pas entendu de rumeurs sur le départ de M. Aoussou Jeannot de la présidence du Sénat. Aoussou Jeannot était présent lors de la création donc, du RHDP. Je n'ai pas d'informations à titre personnel qui permettent de mettre donc, en doute son engagement par rapport à ce grand projet de rassemblement des Ivoiriens. Et M. Aoussou Jeannot est en fonction. Moi, je n'ai pas appris donc, cette rumeur. Donc, il est en fonction et je n'ai pas cette rumeur. Et, donc, je ne peux pas commenter une rumeur que je n'ai pas. Mais ceci étant, j'ai la conviction qu'à un moment donné, toutes les institutions de la République, et c'est une question de cohérence, devront avoir donc à leur tête des personnes qui sont en parfaite cohérence avec la majorité donc politique dont j'ai parlé donc tout à l'heure, d'ailleurs dans mon propos liminaire. Mais je n'ai pas d'éléments pour me permettre de dire le contraire en ce qui concerne donc M. Aoussou Jeannot. Concernant la question du journaliste de Notre Voix, le conflit donc SAFIC-TRCI, vous savez que c'est un conflit effectivement qui est né de la privatisation, si mes souvenirs sont bons, du domaine de véhicules d'Anguédidou en 1996. À la date d'aujourd'hui, ce que nous avons donc décidé, c'est de rapprocher donc les parties pour trouver donc un consensus, sinon le dossier est au niveau de la justice. Donc il y a des discussions au niveau de la justice et les partis ont accepté
donc, de pouvoir se retrouver, donc, sous l'égide d'ailleurs donc, de la primature, de mon directeur de cabinet, donc, pour essayer de trouver une solution donc, à l'amiable. Il s'agit de déterminer quel sera le niveau de l'indemnisation légitime à laquelle donc, les planteurs donc, de SAFIC donc, peuvent avoir droit. Et le repreneur donc, est prêt à examiner une solution. Il se trouve simplement qu'à la date d'aujourd'hui, la fourchette me paraît donc trop importante. Et nous sommes en train de travailler à rapprocher donc, les positions. Les planteurs réclament, pour donner des chiffres, de l'ordre de 23 milliards de francs CFA. Et l'opérateur donc, qui a repris donc, serait prêt donc, à payer autour de 4 milliards de francs CFA. Vous voyez l'ampleur. Donc, notre responsabilité donc, en tant que gouvernement est d'essayer donc, de rapprocher donc, cette position. Le gouvernement est saisi de la question. Nous sommes en train de traiter donc, la question. Et comme il s'agit d'une médiation, ça prend naturellement donc, un peu plus de temps que prévu. Concernant les logements sociaux, ce que nous avions imaginé au niveau donc, des acquéreurs, c'était d'avoir effectivement des conditions au niveau des emprunts qui soient donc, optimum pour permettre que les remboursements donc, mensuels soient supportables donc, pour les uns et les autres. Et nous voulions jouer donc, sur deux éléments. Le premier élément était l'allongement de la durée de remboursement des prêts. Et là, je dois dire qu'aujourd'hui, quasiment toutes les banques se sont déjà alignées donc, sur cette option. Et les prêts donc, immobiliers sont aujourd'hui de durée minimale 15 ans. Et il y a des banques qui vont jusqu'à 20 ans au niveau de la durée de remboursement des prêts. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était le taux d'intérêt que nous voulions baisser donc, à 5,5%. Alors, nous avions pensé qu'avec le code de mobilisation de l'habitat, l'État pouvait bonifier les taux d'intérêt, donc, qui sont ceux des banques, pour permettre de les ramener donc, à 5,5%. C'est une opération qui est en cours, mais moi, j'ai le plaisir de vous annoncer que certaines banques, la Banque de l'Habitat, servent aujourd'hui des taux d'intérêt qui sont en deçà donc de 5%. Ils servent des taux d'intérêt autour de 4,7%. La dynamique est lancée et donc je considère que nous sommes plutôt dans la bonne direction. Ce n'est pas un objectif qui a été annoncé et qui n'est pas tenu. Ce n'est pas un objectif annoncé qui est abandonné. Il est en train d'être mis en œuvre et je vous donne l'exemple d'une banque qui aujourd'hui prête en deçà donc de 5% au taux de 4,7%. Concernant la couverture maladie universelle, je comprends les inquiétudes par rapport donc, à ce projet. Vous savez que c'est un projet important. L'accès donc, aux soins apparaît donc, comme étant une priorité forte du gouvernement et était une instruction aussi importante du président de la République. Pour pouvoir avoir un système de couverture maladie donc, qui fonctionne, il faut effectivement avoir donc un plateau technique et les services qui vont être offerts aux populations qui soient donc de qualité. C'est une question sur laquelle nous continuons donc de travailler. Et la date que nous avons arrêtée maintenant, qui est de démarrer donc les cotisations à partir de la fin du mois de juillet pour que les prestations soient effectives à partir du 1er octobre 2019, tient compte de ce que nous avons identifié 725 centres donc de santé où les Ivoiriens pourront aller dans le cadre de la couverture maladie universelle, donc se faire soigner. Et nous avons bien identifié ce qu'il faut faire dans ces 725 centres. Il y a de la réhabilitation légère dans certains centres, il y a des équipements à envoyer dans certains centres, et ce sont ces délais-là que nous avons regardés avec réalisme pour arriver donc à la conclusion aujourd'hui, et je prends donc l'engagement que nous pouvons donc tenir le délai du 1er octobre 2019 pour lancer la couverture maladie universelle. Je suis sûr qu'à cette date, les 725 centres identifiés pour prendre en charge les malades de la CMU seront effectivement réhabilités, les contrats sont passés, les ressources sont disponibles, et le délai que nous avons donné est le délai normal d'exécution des travaux. En ce qui donc, concerne je dirais, donc, les assurances, vous devez savoir que pour ce qui est du régime donc, de base, en dehors donc, du régime donc, d'assistance, les indigents pour lesquels c'est l'État qui prend totalement donc, en charge, pour le régime donc, de base,
c'est 70% qui est pris en charge dans le cadre de la CMU. Et nous allons donc inciter naturellement les Ivoiriens à avoir des assurances complémentaires, notamment pour les 30% restants. Donc je pense qu'il y a de la place encore donc pour, je dirais, les assurances. Le projet d'ailleurs a été discuté avec l'ensemble des acteurs, y compris les assurances, et toutes les décisions qui sont mises en œuvre aujourd'hui sont des décisions qui sont consensuelles. Monsieur le Premier ministre, Henri Konan Bédié, votre ancien allié du RHDP, groupement politique, et son nouveau fils Guillaume Soro ne cessent d'accuser votre régime d'user de moyens de pression et de faire chanter des citoyens à adhérer au RHDP. Ces accusations sont-elles mensongères ou avérées? Monsieur le Premier ministre, l'opposition, dans le cadre de la réforme de la CEI, a souhaité que cette réforme s'étende au Conseil constitutionnel. Quelle est votre réaction sur le sujet? Ma question est relative à l'Assemblée nationale. L'opposition a dénoncé le mode de vote, notamment le bulletin multiple. Et l'opposition parle même de recul de la démocratie. Comment avez-vous apprécié cela? Le président Mado Soumaoro a pris un arrêté mettant fin aux fonctions de tous les membres du cabinet de l'ancien président Guillaume Soro. L'opposition aussi également parle de chasse aux sorcières. Quelle appréciation faites-vous de cette décision? Moi, j'ai trop de respect en ce qui me concerne pour les responsables politiques de notre pays, pour les cadres donc, de notre pays, pour accepter que l'on puisse les accuser de subir donc, des pressions pour effectuer donc, des choix politiques. Il y a beaucoup que je fréquente, il y a beaucoup que je côtoie, et je peux vous dire que ce que je retiens d'eux, ce sont des gens qui sont des gens de responsabilité. Ils croient donc en quelque chose. Ils étaient engagés dans un processus depuis 2005. Je peux comprendre que tous ceux qui étaient engagés dans ce processus depuis 2005 ne comprennent pas pourquoi ceux qui se sont retirés, donc se sont retirés. Et eux ont décidé de poursuivre un processus dans lequel ils sont engagés depuis 2005. Je trouve totalement inacceptable de vouloir les injurier donc parce que des personnes de conviction engagées dans un processus, comme je vous le dis, depuis des années, qui travaillent donc ensemble, décident de dire nous voulons rester rassemblés dans l'esprit donc du père fondateur de la nation, continuer de construire notre pays, relever les défis à venir, savoir que nous avons fait du chemin ensemble qui donne des résultats. Et moi, je considère au contraire que ceux qui font ça sont des gens qui sont responsables. Je voudrais les féliciter. Je ne vois, moi, pas de pression, bien au contraire. Je pense que c'est peut-être sur ceux qui ont déjà compris qu'il faut donc venir au RHDP pour renforcer donc cette formation politique, pour créer donc cette base de stabilité donc pour notre nation, pour que la Côte d'Ivoire ne vive plus jamais ce qu'elle a vécu dans le passé. C'est peut-être sur certains là-bas à qui on fait pression pour des raisons ethniques. Oui, c'est ça la vraie pression qui est faite et qui n'est pas acceptable aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire moderne. Alors, c'est ce que moi, je pense et c'est ce que je peux vous dire sur cette question. Concernant la réforme de la commission électorale indépendante, il convient de rappeler que la CEI que nous avons aujourd'hui a été le fruit d'un consensus. Nous avons discuté en 2013 et en 2014. Il y a même une ordonnance qui a été prise par le président de la République en 2014 pour prendre en compte les desiderata de l'opposition, pour que nous ayons donc cette CEI consensuelle aujourd'hui. Il y a eu des recommandations qui nous ont été faites par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Sur cette base, le gouvernement, qui peut prendre ses responsabilités en disant « il y a un gouvernement, il y a un parlement, je travaille, je prends en compte donc, cette recommandation » et puis j'envoie un texte donc, à l'Assemblée nationale. Nous avons simplement estimé, et l'orientation du président de la République a été celle-là, que compte tenu donc, de l'importance de la question, que nous devons
consulter la société civile et les partis politiques. C'est ce que donc, nous avons fait. Nous avons reçu donc, des propositions. Je me réjouis d'ailleurs qu'un certain groupe de partis politiques qui au début ne voulaient même pas faire de propositions, remettaient en cause donc, la méthodologie, etc., se soient ravisés pour devenir un peu plus positifs en faisant des propositions. Nous les avons donc maintenant sur la table. Nous allons donc les examiner et j'ai indiqué tout à l'heure que nous allons reprendre donc les discussions. Mais ces discussions sont dans un cadre qui est très précis. Il s'agit pour nous très simplement de voir comment prendre en compte les recommandations qui ont été faites par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est tout. C'est ce que donc nous allons faire. Nous ne ferons pas plus, nous ne ferons pas moins. Donc cette Cour africaine n'a rien évoqué concernant le Conseil constitutionnel, qui a un texte organique qui indique comment les membres sont nommés, et ce sont des membres qui sont nommés par les institutions de la République. C'est un schéma qui est classique, vous le verrez partout. Donc je ne vois même pas comment le débat du Conseil constitutionnel a pu s'inviter donc, dans cette question. Nous allons donc travailler sur la question de la commission électorale indépendante. Nous reprendrons les discussions avec la société civile et avec les partis politiques, dans l'esprit que je viens donc de vous dire, qui est d'avoir une commission censée plus équilibrée selon les recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Moi, je vais vous rappeler que dans la commission donc, de 2011, il y avait 7 représentants du pouvoir entre les institutions et les membres du gouvernement. 7 dans la commission donc, de 2011. Aujourd'hui, dans la commission que nous avons 4 représentants donc, du pouvoir au niveau exécutif ou des institutions. Nous allons travailler sur toutes ces questions et arriver, je suis sûr, à des propositions qui seront jugées raisonnables pour la majeure partie des acteurs. Il se peut qu'il y ait des acteurs qui ne soient toujours pas d'accord, mais ben ça, c'est comme ça la vie, on n'y pourra rien. Mais nous allons travailler en tout cas pour faire en sorte que cette commission soit la plus équilibrée, sachant qu'elle l'est déjà, mais nous allons travailler à la rendre encore un peu plus équilibrée pour prendre en compte ces recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il nous faut de toutes les manières arriver à boucler ce dossier dans des délais raisonnables pour permettre donc à la commission de commencer à préparer donc ces élections pour que nous ayons des élections totalement paisibles, transparentes et équitables en 2020. Concernant l'élection du président de l'Assemblée nationale, là aussi, c'est une polémique dont je ne comprends pas le bien fondé. Nous-mêmes, en tant que députés, on a déjà voté. On n'a jamais eu à l'Assemblée de bulletin donc unique. L'élection de M. Guillaume Soro comme président de l'Assemblée nationale, il y avait 2 candidats. Il y avait lui-même, donc Aimé Ambly Evariste. Il y avait 2 bulletins. Tout le monde a voté, tout le monde a vu, ça s'est bien passé. Pourquoi subitement, lorsqu'il fallait faire l'élection d'Abadous Moro qui était opposé à Ngouan, donc Jérémy, il y a 2 bulletins, pourquoi est-ce que ça devient un problème? Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre dans ce pays. Il faut arrêter de vouloir créer des problèmes là où il n'y en a pas. En plus, dans le cas d'espèce, voici une élection qui était en direct. Toute la nation a été prise à témoin. On a 252 députés. On a 179 députés qui étaient présents. On a 153 qui ont voté de manière effective devant tout le monde dans une urne transparente pour Amadou Moro. Mais où est le débat? Il y a des gens, quoi que vous fassiez, même si tout est réglé, il faut qu'ils disent qu'il y a un problème. Bon, écoutez, en tout cas, Amadou Moro a été bien élu. Il a eu 153 députés qui ont voté pour lui de manière transparente devant la nation entière, en direct. Et c'est la majorité donc absolue. Il a été bien élu, bien au contraire. Nous devons le féliciter. Il a mis fin aux fonctions. Je ne suis pas bien placé, moi, pour juger ça, puisque moi-même, quand j'ai pris fonction à la primature, j'ai mis fin aux fonctions de tout le monde. Moi. Mais j'en ai repris une bonne partie, c'est tout. Mais en arrivant, alors que vous saviez que je suis venu après le vice-président
Duncan, qui était Premier ministre, c'est un aîné pour qui j'ai le plus grand respect. C'est une question simplement de principe. J'ai été nommé, donc comme lui a été nommé, il a mis fin aux fonctions. Il regarde maintenant avec son secrétaire général et son directeur de cabinet. Il reprend tout ce qu'il estime devoir reprendre. Et peut-être qu'il en prendra, je ne sais pas quel pourcentage. Il va devenir maçonné, il y a un budget. Mais ça, c'est du travail donc, administratif, technique et financier. Il ne faut pas y voir donc, quelque chose d'absolument donc, exceptionnel. Ça ne doit pas émouvoir autre mesure. Et il ne faut rien voir donc, derrière ça. Ce ne sont pas des fonctionnaires. Lors de votre dernière conférence de presse, une question relative à la proximité de l'ex-ministre et homme d'affaires Adama Bitogo avec votre gouvernement est restée sans réponse. Je vous la repose aujourd'hui en profitant pour vous demander si c'est vrai, comme nous l'avons appris d'un média, que vous l'avez nommé directeur exécutif d'IRHDB. Monsieur le Premier ministre, l'école, qu'est-ce qui coince ? Il y a des discussions, c'est comme un serpent de mer, ça revient régulièrement. Cette fois-ci, ça coince plus que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Les dozos qui tiennent des barrages sur des routes en Côte d'Ivoire, de qui répondent-ils, ces dozos-là ? Concernant le ministre Adama Bitogo, il est un homme d'affaires, ça c'est connu. Il est également engagé politiquement. Je note d'ailleurs que dans pas mal de pays, je vois des hommes d'affaires aujourd'hui qui accèdent aux hautes fonctions. Donc, dans différents États. Je ne vais pas me mettre dans les cités. Par conséquent, je crois tout simplement que séquentiellement, en fonction des responsabilités donc, que l'on peut assumer au niveau de l'État, il faut savoir se retirer des affaires donc, que l'on a et se mettre donc, à plein temps donc dans les responsabilités qui sont celles qui relèvent donc de l'État. Mais tant qu'on n'est pas dans ces responsabilités, on peut avoir une opinion politique, être membre d'un parti, l'animer sans aucune difficulté, et être un homme d'affaires. Alors maintenant, si votre question est de savoir est-ce qu'à partir de là, il y a des privilèges spécifiques, je vous dis non. Moi, je l'ai toujours dit de manière très claire par rapport donc, à tous les opérateurs ivoiriens donc, qui sont aidés. L'aide, c'est en réalité tous ceux qui ont la capacité eux-mêmes de mobiliser donc, des financements et qui viennent donc, au niveau de l'État regardant le programme national de développement du pays qui a des composantes et des urgences, qui disent « moi, j'ai la possibilité de mobiliser des financements ». Si ces financements rentrent dans les caractéristiques qui sont celles qui sont exigées par le ministère de l'Économie et des Finances dans le cadre de la gestion intelligente de la dette de la Côte d'Ivoire, nous considérons qu'il faut construire donc des champions nationaux. Et là, il y a plusieurs opérateurs qui peuvent être pris en compte. C'est la seule règle, il n'y a pas de favoritisme donc particulier. Ça, je peux donc vous l'assurer. Alors maintenant, sur les fonctions donc, liées à celles de la direction exécutive du RGP, ce n'est pas moi qui nomme. La décision donc, n'est pas encore prise. Donc, il y a peut-être des rumeurs donc, qui courent. Mais si elle était donc prise, je considère que les éléments que j'ai évoqués donc, tout à l'heure donc, devront être pris en compte donc, pour éviter ce que l'on pourrait considérer à ce moment-là donc, comme étant donc, un éventuel conflit d'intérêts. Sur l'école, vous savez, depuis 2013, il y a des efforts extrêmement importants qui ont été faits par l'État, par le gouvernement, en ce qui concerne généralement donc, les fonctionnaires. Que ce soit le déblocage en ce qui concerne donc, l'avancement indiciaire au niveau donc, des salaires. Ce déblocage au niveau des avancements indiciaires qu'il y avait pour des salaires qui avaient été bloqués pendant 25 ans, vous devez savoir que ça coûte à l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui 126 milliards de francs CFA par an, en plus de déblocage donc de l'avancement indiciaire. Plusieurs autres mesures avaient déjà été prises, notamment en ce qui concerne les engagements pris en 2007 par le régime précédent. Il y a eu, donc, à partir donc, de 2013,
un certain nombre d'engagements qui ont été donc, actés, donc, qui, eux, représentent un coût de l'ordre de 42 milliards, donc 600 millions. Après, donc, nous avons eu la prise en compte globale, je dirais, de ces engagements, et c'est ce qu'on appelait le paiement du stock donc des arriérés, qui a conduit à la signature d'un accord valant trêve sociale. Et l'État respecte donc sa part, puisque en 2018, nous avons payé 39 milliards de francs CFA, et en 2019, nous avons au budget 44 milliards de francs CFA dans le cadre du paiement du stock donc des arriérés. Vous verrez que l'ensemble donc, des mesures prises pour les fonctionnaires, dont donc, les enseignants, coûtent sur la période de 2013 à 2019 1473 milliards de francs CFA. C'est dire quand même que des efforts importants ont été faits pour la fonction publique et ont été faits particulièrement donc, pour les enseignants. Et lorsqu'on a signé la trêve sociale, nous avons dit qu'une trêve sociale donc, qui est signée ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de revendications. Mais on considérait que tous les problèmes qui seraient posés feraient l'objet de discussions, de négociations et qu'on s'interdisait de faire une grève pendant 5 ans. Et pendant les 5 années, c'est la période pendant laquelle l'État s'est engagé à payer le stock des arriérés. Alors aujourd'hui, au niveau de l'enseignement supérieur, il y a le problème des heures complémentaires. Au niveau donc, de l'enseignement primaire et secondaire, il y a le problème des indemnités de logement, il y a le problème des cours du mercredi, etc., etc. Nous disons, discutons de ces questions, mais dans le cadre de ce que nous avons signé ensemble comme accord valant trêve sociale en 2017. Donc nous considérons que la grève, de ce point de vue, est une grève qui n'est pas légitime. Donc le fait qu'elle ne soit pas légitime a conduit donc, à retenir donc, les salaires donc, de ceux qui ont grévé. Maintenant, bon, nous constatons un dégel, des discussions sont en cours, et moi je me félicite que cette nouvelle ambiance donc, puisse naître, qui a conduit au fait que ceux du primaire et du supérieur ont repris donc, les cours et sont en train de discuter avec leur ministère donc, de tutelle sur les questions qui sont en suspens. Il restait une partie d'enseignants du secondaire qui, eux, n'avaient pas repris les cours. Mais suite à la réunion donc, qui s'est tenue il y a 48 heures, donc, eux viennent de prendre la décision d'appeler en Assemblée générale le samedi prochain leurs camarades et nous avons bon espoir qu'à la fin de cette semaine, la question donc, de la grève des enseignants sera une question qui sera derrière nous. Et que dès le lundi donc, prochain, les cours reprendront sur l'ensemble du territoire donc, national et à tous les niveaux, au niveau de la pyramide donc, de l'école. Je considère moi que les choses sont en train de se dénouer et ils sont tous d'accord avec nous pour que dans le nouveau cadre de réflexion ou de discussion, nous discutions de toutes les questions dans l'esprit donc, de l'accord valant trêve sociale que nous avons signé. Alors les dozos, si vous voulez savoir si c'est légal, je vous dis que c'est illégal. C'est clair, nous avons des forces de police, des forces de gendarmerie bon, qui sont là pour assurer la sécurité et je considère que ces forces s'acquittent de ce devoir donc, avec beaucoup d'efficacité. Maintenant, nous avons un phénomène traditionnel qui existe, qui permet quelquefois, donc, dans des endroits spécifiques, dans des contextes spécifiques, d'être donc, des forces d'appoint, mais de là à aller être une force de contrôle sur une route, je considère que ça, ce n'est pas légal. Vous le signalez, le ministre de l'Intérieur est dans la salle, donc il prend note de cela et fera les vérifications qui sont nécessaires. Sur Internet, qu'en est-il de la question de la cherté de la vie? C'est la première question donc véritable des internautes. Deuxième question, quelle résolution prise concernant le gel des différents comptes bancaires des enseignants? Concernant la cherté de la vie, sur la période 2013-2019,
c'est plus de 1473 milliards de francs CFA pour ce qui concerne les fonctionnaires, donc injectés pour améliorer donc leur pouvoir d'achat. C'est important. Le SMIC, je vous l'ai indiqué, a été augmenté de 38 000 à 60 000. Je vous ai également indiqué que les revenus au niveau donc, des paysans, notamment dans la période donc, où les cours étaient bons, ont augmenté considérablement. Donc, j'ai même indiqué de 68 %. Je crois que nous étions en 2015 à plus de 5 000 milliards de francs CFA de revenus distribués aux paysans. En 2017, nous devions être autour de 6 300 milliards de francs CFA de revenus distribués aux paysans. Donc, il y a l'aspect donc, revenu qui a connu donc, une évolution. Maintenant, le problème, je dirais, donc, des prix. En général, quand on parle de la cherté de la vie, les choses auxquelles on pense, il y a les denrées alimentaires, notamment les denrées de première nécessité. Vous vous souviendrez que le gouvernement, à un moment donné, avait même pris un décret qui bloquait les prix et les marges en ce qui concerne les denrées de première nécessité, puisque nous avons dans le texte la possibilité, lorsque la variation des prix donc, atteint un certain niveau et que nous considérons que ce n'est pas le jeu normal donc, de la concurrence, nous avons la possibilité de prendre donc, un décret qui permet donc, de réguler et de limiter les prix et les marges. Cela a été fait, qui a permis donc de baisser les prix au niveau donc des denrées alimentaires. Sur le logement, ce que nous comptons faire, c'est d'abord augmenter l'offre en matière donc de logement, c'est notamment le programme de logements sociaux. J'indiquais que nous ferons tout pour que les logements qui sont déjà construits et pour lesquels les acquéreurs n'ont pas encore pu accéder aux 10 logements, que les travaux de voirie et de réseau donc d'électricité et d'eau puissent être achevés pour le mois de septembre, pour que tous ces logements puissent être livrés donc, aux personnes qui sont donc, propriétaires. Mais nous avons aussi la loi donc, sur le bail à usage donc, d'habitation, qui est maintenant devenue une loi qui borne ou qui limite donc, les avances à 2 mois de loyer et les cautions à 2 mois de loyer. Et là, dans cette loi, il y a des dispositions qui sont prises donc pour réprimer tant au plan, je dirais, pénal qu'au plan fiscal tous donc, les bailleurs qui ne respecteraient pas ces dispositions. Sur la partie du transport, qui est un autre élément qui est important pour, je dirais, dans donc, le panier, entre guillemets, de dépenses donc des ménages. Si vous prenez une ville comme contre Abidjan, avec les efforts qui sont faits au niveau de la SOTRA, il y a une chose que je peux vous dire. Envoyer des enfants à l'école, à Bobo ou dans certains quartiers, les ruptures de charges qu'il fallait prendre un baka, après le baka, prendre un deuxième baka, etc., représentaient des coûts de déplacement qui étaient extrêmement élevés. Avec le renforcement du parc d'autobus qui permet aujourd'hui donc à la SOTRA de desservir encore mieux, je dirais, les populations donc, au niveau donc, d'Abidjan, il y a des familles qui avaient renoncé à envoyer leurs enfants à l'école uniquement parce que le coût du transport était tel que les parents ne pouvaient pas payer le transport des enfants pour aller à l'école. Ils choisissaient de payer pour un ou deux parce que dans le mois, le coût journalier pour que l'enfant aille à l'école n'était pas supportable. Il y a des quartiers avec le renforcement donc, que nous avons au niveau de la SOTRA permet donc, à des enfants, en sachant qu'en plus, donc, il y a des tickets qui sont minorés pour ce qui concerne les étudiants, pour ce qui concerne les élèves, il y a la gratuité, donc, etc. Donc ça, c'est un élément donc, extrêmement fort dont on ne parle pas. Vous devez savoir que quand le président de la République prenait donc les rênes du pouvoir, mais au niveau de la SOTRA, on avait donc à peine donc 200 à 300 bus fonctionnels. Et aujourd'hui, au niveau de la SOTRA, on a plus de 1 200 bus qui sont fonctionnels.
et qui tourne donc sur Abidjan. Ça fait quand même un accroissement du parc de près de 1000. Ça se ressent dans le déplacement des populations au quotidien et dans le coût donc, du transport. Mais donc, nous avons de grands projets de transport de masse, comme le métro, qui viendront encore régler le problème du transport, qui lui est un élément donc, également, je dirais. Donc c'est un peu toutes ces choses donc, sur lesquelles nous travaillons pour maîtriser le coût de la vie pour les ménages. On travaille sur les revenus, on travaille donc, sur donc, le coût de tous les éléments que j'ai indiqués. Et nous allons continuer donc à amplifier donc ce travail pour permettre que la vie soit donc la plus donc facile, je dirais, pour nos compatriotes. Concernant le gel de compte des enseignants, de manière totalement transparente, l'accord obtenu dans les discussions qui ont eu lieu il y a 48 heures était un accord qui dit que dès qu'ils vont lever le mot d'ordre de grève le 23 samedi prochain, donc les comptes qui sont gelés ou qui sont bloqués seraient donc dégelés. Donc c'est un accord qui a été obtenu avec les syndicats lors de la discussion qu'il y a eu donc avec eux. Donc par conséquent, et d'ailleurs ceux qui avaient été arrêtés parmi leurs camarades syndicalistes ont été donc libérés, c'était un élément de l'accord aussi. Donc je considère que l'accord est en train d'être mis en œuvre. Donc, il ne reste plus que le 23 à l'issue de l'AG qu'il délève le mot d'ordre donc pour que dès le lundi donc, les comptes concernés donc, puissent être débloqués. Actuellement, une délégation du FMI est en Côte d'Ivoire pour une revue du programme économique et le gouvernement a en projet de lancer un eurobond. Je voulais savoir, pour vous donner des détails sur la taille de l'eurobond et dans le même ordre d'idée. Vous avez annoncé l'année dernière que la Côte d'Ivoire avait obtenu un accord pour aller sur le marché du CFA, c'est-à-dire faire une émission internationale au niveau du CFA qui devrait être entre 150 et 200 milliards. Est-ce qu'on est toujours dans cet ordre d'idée? Des zones du district d'Abidjan, comme Abobo, Niamey, Yopougon et même Cocody, la pénurie d'eau se fait sentir. À quand la fin de ce calvaire? Est-ce que, suite à la libération de sous condition de nos deux compatriotes Laurent Gbagbo et Blé Goudé, la Côte d'Ivoire pourrait-elle envisager d'accueillir Blé Goudé, d'autant plus que jusqu'à présent, on nous apprend qu'il n'a pas encore trouvé de pays d'accueil? La mission du FMI est une mission pour évaluer les performances de notre pays à la fin donc, de l'année 2018. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons donc rempli tous nos engagements donc, qui étaient prévus donc, dans le programme. Et que de ce point de vue, je considère que cette revue se déroule dans de bonnes conditions. Elle devrait s'achever le 27 donc, prochain. Et je pense que nous devons donc conclure. En tout cas, les discussions sont en cours avec les ministères donc, sectoriels. J'ai moi-même une rencontre avec la mission à mi-parcours le 22 et le président de la République donc, recevra la mission donc, le 26. Donc c'est une mission statutaire normale et a priori donc, je pense qu'elle sera donc conclue donc, de manière positive. Sur la question de l'eurobond, on n'a pas d'eurobond décidé pour cette année. Comme je vous l'ai indiqué, au niveau du budget, chaque année, nous avons des montants que nous devons rechercher sur les marchés. Ça peut être le marché sous-régional, ça peut être donc international. Et en fonction des conditions donc, des différents marchés, nous prenons la décision soit d'aller à l'international, soit donc, de financer notre budget donc, sur le marché sous-régional. Et là, après analyse de la situation en ce qui concerne donc, les marchés donc, internationaux. Donc, nous n'avons pas pris encore la décision d'aller donc, sur l'international et nos options sont de financer donc, notre besoin qui est autour de 1450 milliards de francs CFA donc, sur le marché donc, sous-régional. Alors, nous avons également pour une partie donc, lancé un appel d'offres au niveau donc, des banques internationales pour des prêts donc, directs avec des banques internationales.
Donc cet appel d'offres est en cours donc, de dépouillement, et ça c'est pour environ 500 donc, milliards de francs CFA. Le solde, donc un peu plus de 900 milliards de francs CFA, sera levé au niveau du marché sous-régional. Si nous devons aller pour un eurobond, ce sera pour une opération spécifique qu'on appelle l'opération de rachat de dette. C'est-à-dire que nous regardons le profil de notre service de la dette, et pour pouvoir donc améliorer donc ce profil au niveau du service de la dette, nous pouvons donc racheter une partie de la dette ancienne à des conditions donc, qui sont meilleures aujourd'hui pour pouvoir donc, lisser donc, le service de la dette. Pour l'émission internationale en CFA, nous avons toujours donc, ce projet, mais il y a une série de conditions à remplir, que ce soit au niveau de la BRVM notamment. Et donc, nous sommes en train donc, de travailler donc, avec les avocats donc, pour pouvoir finaliser toutes les conditions préalables qui permettrait de pouvoir faire cette émission internationale en CFA. Le jour où on le fera, ce sera quelque chose d'important. Ça voudra dire que maintenant, des investisseurs internationaux dans le monde vont souscrire donc, à des obligations donc, ivoiriennes donc, émises ici. Et ça, c'est important. Ça élargit de manière automatique dans notre devise, nous, dans notre CFA, ça élargit de manière donc automatique le champ donc des possibilités. Donc je trouve que ce sera quelque chose de formidable. Nous y travaillons et je suis convaincu que nous allons y arriver. En matière d'approvisionnement en eau, nous n'avons pas de déficit. Aujourd'hui, donc, nous devons être à une capacité de 600 000 mètres cubes par jour avec les investissements que nous avons eus au niveau de Benoît 1, Benoît 2, Songon, etc. Mais le problème que nous avons, et ce à quoi donc, nous avons travaillé pour Abidjan, c'est le problème donc, des canalisations. Vous avez un certain nombre de canalisations donc, qui sont vétustes, donc, qui ne permettent pas donc, d'avoir donc, la distribution donc, adéquate qu'il faut. Et vous avez des extensions de quartiers qui se sont faites pour lesquelles nous devons étendre le réseau donc, de canalisation vis-à-vis de ces quartiers. Donc c'est ce programme qui est en cours, sur lequel nous travaillons. Donc, il y a des financements qui sont donc déjà acquis, que ce soit au niveau de la BEI, il y a au niveau du CD2 espagnol pour ce qui concerne spécifiquement donc, Abobo. Donc, une fois que nous aurons réglé le problème des canalisations, et ce problème est en cours, donc tous ces quartiers qui ont des difficultés d'accès à l'eau potable, cette question sera automatiquement résolue parce que nous avons déjà réglé la question de la capacité d'approvisionnement en eau potable donc, de la ville d'Abidjan. D'ailleurs, un projet a été donc, approuvé sur l'approvisionnement donc, de la ville d'Abidjan à partir de la rivière donc, la Mée, et qui donnera donc, une capacité supplémentaire de 250 000 mètres cubes. Blé Goudé est libéré dans les conditions que l'on sait, ainsi que le président Laurent Gbagbo. Nous avons pour principe de ne pas donc, commenter donc, les décisions de justice, qu'elles soient nationales ou internationales. On n'a pas de requête spécifique aussi de demande de retour de sa part. Donc, je veux dire, le problème pour nous, donc, à la date d'aujourd'hui, ne s'oppose pas au niveau, je dirais, donc, du gouvernement. Donc, une fois que les procédures seront elles-mêmes donc, achevées sur la base, je dirais, des procédures propres donc à la CPI. À ce moment-là, le gouvernement ivoirien avisera s'il y a des questions qui relèvent donc de sa compétence. Mais à la date d'aujourd'hui, donc nous avons pris note simplement des différentes décisions qui ont été prises donc par la Cour pénale donc internationale. Monsieur le Premier ministre, que répondez-vous à ces économistes qui estiment que la Côte d'Ivoire a de bons taux de croissance, mais son niveau de pauvreté reste encore très élevé? Concernant donc le taux de pauvreté, oui, tout à l'heure, d'ailleurs, je vous ai dit comment il a évolué. Vous avez donc noté qu'il était de 20% courant 1984, qu'il est passé à 38,8, pas loin de 40% donc en 1998. Qu'il s'est terminé à 51% en 2011. Les dates que je donne sont des dates repères
qui vous permettent de comprendre l'évolution donc, des choses. Et je vous ai dit qu'à partir de 2012, nous avons eu une inflexion donc à la baisse. Ça, vous auriez pu peut-être déjà le noter, qu'on a une inflexion à la baisse depuis donc 2012 et que nous étions dans une tendance haussière, je dirais, d'augmentation du taux de pauvreté dans notre pays. Alors, ceci étant, nous avions comme objectif, vous l'avez dit, donc de diminuer de moitié donc le taux de pauvreté dans le pays. Aujourd'hui, je ne pense pas que par rapport aux 51% que nous serons à 25% en 2020, une étude est en cours qui permettra de mesurer le taux de pauvreté avec des méthodes identiques dans l'ensemble de l'UEMOA. Nous aurons les résultats lors de l'étude. Mais de mon avis, je pense que nous devrions donc être pour déjà donc 2018-2019 à un taux de pauvreté qui devrait être en deçà de mon point de vue de 40%. Et avec le programme social qui est en train d'être mis en œuvre entre 2019 et 2020, je crois que nous aurons encore donc une baisse plus prononcée. Donc vous aurez des chiffres bientôt, donc au courant de l'année 2019, de taux de pauvreté en Côte d'Ivoire qui sera donc en deçà des 46% qui date de 2015. De 2015 à aujourd'hui, vous imaginez bien qu'il y a eu suffisamment donc, d'actions pour que le taux ait continué de baisser. Vous savez que le projet de filets sociaux dont je viens donc, de parler, où nous allons passer donc, de 50 000 donc, familles bénéficiaires à 100 000 familles bénéficiaires donc, cette année, est un outil puissant de réduction de la pauvreté. Vous savez que la mise en place de la couverture maladie universelle qui sera prise en charge en totalité par l'État pour les indigents sera un outil puissant de réduction donc, du coût de la pauvreté. Vous savez que les enseignants donc, qui vont être donc, recrutés, qui vont faire que donc, les parents dans les zones où ils étaient obligés de cotiser pour payer donc, les enseignants donc, pour leurs enfants sera aussi un outil puissant de réduction du coût de la pauvreté, etc., etc. Donc, je veux dire que toutes ces mesures donc, feront qu'en 2020, nous sommes très confiants sur le fait que nous aurons une baisse significative et qui sera appréciée par nos compatriotes. Quand on voit où on était en 2011 au sortir de la crise post-électorale, je suis persuadé que beaucoup ici ou ailleurs n'auraient jamais imaginé, en sortant de la crise post-électorale en 2011, que notre pays serait là où il se trouve donc aujourd'hui, que nous aurions eu une croissance économique sur toute la période jusqu'en 2018, en moyenne de l'ordre de 8% donc par an. Les premiers chiffres de croissance que nous avons eus, on disait « Ah, c'est le rattrapage ». Tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas une affaire de rattrapage, c'est qu'il y a une dynamique économique, il y a des réformes importantes qui ont été menées sous la haute autorité du chef de l'État et qui ont donné des résultats. Il y a des investissements qui ont été faits, il y a l'amélioration du climat des affaires qui a permis d'attirer des investisseurs. Il y a des emplois qui ont été créés. On parle d'environ 2 600 000 emplois créés donc, sur la période, etc. Donc, personne n'imaginait que nous serions donc, là où nous sommes. Nous devons mesurer le chemin donc, qui a été parcouru. Qui fait que lorsque, en 2017, lorsque je m'étais rendu donc, à Londres, au London Stock Exchange, la Côte d'Ivoire, notre pays, était l'un des rares pays donc, francophones classés comme étant les pays qui sont prêts, donc émergents. Nous devons donc en être fiers. Ceci étant, donc, nous avons des défis, et c'est normal. Des défis notamment au niveau social, et le président de la République a décidé qu'au cours des deux années qui viennent, 2019 et 2020, que le gouvernement puisse axer son action de manière encore plus forte donc sur le social. Et c'est ce que nous nous sommes donc engagés donc à faire.
Je pense également que les conditions d'environnement général, au plan, je dirais donc, politique, que nous ne devons pas les dramatiser. Il n'y a pas de péril donc, à la demeure. Il y a des débats politiques qui peuvent être appréciés donc, différemment. Mais je pense fondamentalement que nous n'avons pas de vrai péril donc, dans ce pays. On a cette économie qui est forte, qui est résiliente quand on voit ce qui s'est passé en 2017 et le taux de croissance que nous avons fait donc, en 2017. Nous avons un leadership respecté donc, dans le monde, donc le président Alassane Ouattara. Nous avons donc une économie, à nouveau, je vous dis, qui est bien diversifiée. Et nous avons un processus, il faut le dire, de cohésion et de réconciliation qui est en marche avec les décisions qui ont été prises donc, par le chef de l'État donc, le 6 août donc, dernier. Moi, je crois fondamentalement que la dynamique est bonne, elle est bien engagée. Il y a maintenant des débats politiques, une recomposition d'une carte politique ne se fait jamais sans qu'il y ait donc, ce genre de débat. Mais il ne faut pas donner à ça plus d'importance que cela par rapport donc, aux problèmes que la Côte d'Ivoire peut vivre. De mon point de vue, il n'y a pas de problème grave auquel notre pays est confronté. Nous devons en être convaincus, chacun d'entre nous. Nous devons, pour nous responsables, en convaincre nos compatriotes. Quand nous allons à l'intérieur du pays, nous les voyons donc vivre en étant rassurés et ils ont des problèmes qui sont des problèmes spécifiques auxquels un gouvernement doit faire face de manière quotidienne. C'est tout. Le reste, le jeu politique d'Abidjan, et c'est l'appel que je veux lancer peut-être aux acteurs politiques, notamment de l'opposition. C'est normal donc qu'il y ait ce jeu politique, c'est normal qu'il y ait ce débat. Soyons mesurés pour n'effrayer personne. Parce qu'au bout, on sait qu'il n'y aura rien de grave. Nous aurons des élections en 2020. Bon, elles se passeront bien. La Côte d'Ivoire va continuer. Nous, RHDP, compte tenu de ce que nous représentons aujourd'hui en termes d'élus, en termes d'implantation, nous sommes convaincus donc, que nous travaillerons à faire en sorte donc, que le climat dans ce pays soit donc, apaisé. C'est un engagement fort du président de la République. Donc, ne nous faisons pas peur. Ne nous faisons pas peur et ne faisons pas peur donc, aux autres pour rien. La Côte d'Ivoire est bien partie sous le leadership du président Ouattara. Moi, j'ai confiance à l'avenir du pays. Continuons la main dans la main à travailler. Donc, et je suis sûr qu'on a un avenir radieux donc, devant nous.